il fallait se lever. Très ravi, chers abonnés de Congo Dialogue, mes compatriotes à travers le monde entier. Moi, c'est Boloa Josué, tu es à Anakati, à Cape Town, comme c'était prévu. Pour se rappeler, semaine passée, tu as une communauté diaspora. Et Sanganaki, on a préparé l'arrivée à Madame la ministre Marie Ntumba, au Eko Solona de diaspora. Bien sûr, elle est quand même une visite moins diplomatique à Koutana, ma ministre et puis président de la République d'Afrique du Sud. Mais à CPLP, qu'on disposait tant à pour rencontrer diaspora. Bien sûr que le nombre est un peu limité. Donc, Tozokutane et Kalaming étaient Ayoka Pebiso. La diaspora, c'est avec moi, mémorandum, on a déposé Painaye de façon qu'elle, à son tour, a commis Mango dans le gouvernement. Il y a le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Bisigani Bakotala, Bakokoso Oyo Congolais, Nakati à l'étranger, spécialement Nakati Afrique du Sud, Azokutanana Yango. Alors, Yango, Tozo s'apprêtait, Tozo Kotanakati pour Tokutanana, Madame la ministre. Vraiment, Azaboye, Malamou, je crois que ces journées ont été très bien. Par rapport à Baron Nitoyukaki, non, Cape Town, va combattre. Je crois que Boyoki Makele, la dame la ministre, a été bien accueillie à Cape Town. Bien accueillie, c'était très bien. Alors, elle n'est pas seule, elle est accompagnée avec notre ambassadeur, son excellence Ben Koko, Oazo Tambolanaye, ça et là. Alors, je crois que Bokolanda Biso, Tozo Kotanakati, Tosolo, Ayoka Biso, Biso Peto Yokaye, de façon que, en tant que Congolais, parce que toi, on a posé un présent Fatia Lobaki, c'est l'année des actions. Parmi les actions, tout bon, il s'appelle Maramba passeport, n'est-ce pas, intégration des Congolais, via des Congolais dans quatre étrangers, non seulement en Afrique du Sud, les Congolais, Bélé, Bazana, Koko Solibanda, au Sengel, Madame la ministre, à résoudre, surtout le Cambodge, les documentations. Vraiment, coup de chapeau, na ambassadeur, on a une raison d'accompagner, puis merci, na gouvernement, il y a Félix Tshisekedi, il y a Tindeli Bissomo, qui a travaillé, on a son excellence, Madame la ministre. Alors, vous allez brancher connecté, vous allez vous déposer et puis déposer mémorandum en tant que diaspora dans la carte d'Afrique du Sud. Restez branchés sur Congo Dialogue. Merci. Pourquoi le bruit tu sors? Parce qu'il ne faut pas. Il y a des ministres, il y a des réunions, des ministres qui sont là en train de faire des réunions. Tu ne peux pas venir ici et commencer à faire des bruits. Parce qu'il y aura des gens qui vont. C'est ici que nous allons recevoir, c'est ici que son Excellence Madame la Ministre Marie Ntumba Nzeza qui va recevoir la diaspora congolaise en Afrique du Sud pour un entretien avec les Congolais ici à Cape Town. Par faute des restrictions, on n'a pas pu réunir tous les Congolais compte tenu de mesures barrières, tout ça, qu'on doit respecter. Oui, ambassadeur, nous sommes en train de la ministre, tout dans tout le pays. Une réunion avec le ministre de l'énergie de l'Afrique du Sud et les gens s'arrangent pour qu'ils retirent le macaron avec cette bonne organisation de la diaspora congolaise. Vous êtes toujours sur Congo Dialogue avec José Boloa couvrant à cet événement face à face avec Madame la ministre Marine Josie Nzeza qui va rencontrer la diaspora congolaise à Cape Town. On distribue le macaron pour l'ordre. Non.
À moins que, j'aimerais quand même, c'est la communauté, ce sont les représentants de la communauté. Ouais. Alors j'aimerais qu'on chante quand même l'hymne national. Qui, madame, envoyez Debout Congolais, hymne de. Debout Congolais, hymne par le sang. Unis par le sang pour l'indépendance, ce sont nos fronts, longtemps courbés, et pour défendre nos les plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Allez la guerre, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Dans la paix citoyenne, entonnez l'hymne sacré de notre solidarité. Observation sur l'usage de la langue. Comme nous retrouvons tous, nous sommes des Congolais, nous avons besoin de se sentir à l'aise pour parmi les quatre langues que nous avons en Afrique. Nous avons la Lingala, Swahili, Kikongo, la Chimba. Sentez-vous à l'aise pour utiliser les quatre langues. Je crois que parmi nous ne manquera pas un interprète. Moi-même, je parle Swahili, Swahili, Chiyuba, Lingala.
Et comme j'ai perdu un peu, mais je vois que parmi nous, quelqu'un pourra toujours interpréter. Comme une voyez bien encore comment il y a du site, nous avons quand même qui va devoir voler les acalangues dans l'amour. Et si nous pouvons nous exprimer en français, mais donc c'est que la mine, il peut que vous va se sentir à l'aise, nous avons pu se motiver pour s'exprimer. Et puis, depuis le matin, avec la mine, vous voyez bien, il y a une visite officielle. Depuis le matin, à la coute de la réunion, nous sommes. Après, si nous sommes à une heure, nous avons un respect à temps. Na bande ko ba ina ba mimo na bango ba ko remettre biso ba memorandum na bango nous l'équipe ya ba conseiller ministre de misala na biso to ko za ba mimo na to ko tanga to ko za la synthèse to pe si résumé na na mbonzi mama mineta comme ça to ko ya no la bino alors to inviter pe ko répéter ba même question ce qui vous ça à ça toni mu à toni mu tout na moko ko déjà et c'est le bami to zongi na mo li sous to gagner temps. Merci Votre Excellence, tous les années, c'est mon cas. Il y a parmi nous, à Nakati, à Villa Cape Town. Tous les années, mon cas, il y a un peu de mais à chaque fois que les officiers de notre pays visitent l'Afrique du Sud, vous allez faire comme on a fait l'on, l'officier, on quitte jusqu'à Villa Cape Town. Et qu'on s'appelle temps, il y a pour échanger la communauté. La communauté, tout le monde a dit que nous avons composé des outils ici, qui est dans la carte de ville, avec grands, des alliés différents. C'est cela qui va dans la libération afin qu'il va s'exprimer librement. Il y en tant que ministre des Affaires étrangères, tout le monde a dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons Que je te fais merci malgré l'horaire de l'année très surchargé. On trouvait quand même du temps. Il y a beaucoup de communautés congolaises qui sont en Cape Town. Et puis, ma question est de retourner à Tosolo et à la carte d'affaires du Sumobimba, étant donné que tu as beaucoup de temps. Et moi, tu as pris le temps pour passer une heure au Messibis ensemble avec votre présence. Merci beaucoup. On est toujours coincé par le temps, donc on part toujours un peu en catastrophe. Mais le col en a vu quand même cette heure-ci, auto solo là. J'insiste beaucoup, moi je ne viens pas pour vous parler, moi je viens pour que nous échangions et surtout pour que je vous entende, Bino. Donc prenez le temps, une heure. Boloba, Botuna, là où je peux répondre, je répondrai immédiatement. Là où je ne. D'ailleurs, nous sommes. J'ai oublié de vous présenter Mama Jeannette Nyakeru, qui est directrice adjointe dans mon cabinet, et Monsieur Kapanji Bruno, qui est chargé de mission au niveau de la présidence en ce qui concerne le projet INGA. N'est-ce pas? Voilà. Donc. Alors, je vous donne vraiment quartier libre pourvu que Makambaro soit ezalate, pourvu que Makambaro finga ezalate, vous avez quartier libre, posez vos questions. Merci beaucoup, Son Excellence.
Ngueta, 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 Ngueta. Nzamba pambola yoko balobi sage femme abati saranda kudaye et puis moi c'est qui toko apesa ka o ya zanango biso to peso ka o to zanango ezake ba passe na biso o to zanango yango to pesio parla na ngina lobanini biso ba congolais o tozo vivre en Afrique du Sud toza na valeur atamu kiete ce qui toza na valeur te. C'est parce que nous ne sommes pas assistés dans l'ambassade Nabiso. L'ambassade Nabiso est le rôle de la Ranangote Namboga. Si vous avez un problème, vous avez une assistance à l'ambassade. L'ambassadeur a assisté à Rabatouté. Donc, il y a un Zawanazan américain. A ça, la Rande Maramba Amérique. Maramba Congo a été bien noté. A été bien sauté. Namboga oyo tozali vraiment délaissé na sort na biso mongo. Nous ne savons pas à quel sens se vouer. Toza na baka ya batu oyo neti ngamoko naza pe victime ya marambo wana to pesa ba mbongo na biso ya ba passeport. Ça fait maintenant plus d'une année, plus d'un an toza ba passeport. Raison toza ba passeport to yebi yango te. Ça c'est un des deux. Passeport toza somba passeport na valeur ya $450. Na katia mboka o mutaliara mbongo wana ben poko. Nzambe aza bolingo po ayaki te. Soko ayaki avec tout le respect mama tolonga to sengo ke abima ou bien zonga na hotel. Mais loko la yete Dieu merci to sepeli. Tozo senga na ye. Soki akosa la démission te bolongo la ye. Ça c'est un. Dede. Ingeta. Misa tutongi tolo we mama toza na ville ya Cape Town ya beaucoup de congolais kaka ndenge Johannesburg na Pretoria ezali ndenge moko Cape Town ezali mais tozo mona ba mboko ya mikie lokola ba Rwanda bazala ba consulat na bango awa na kata Cape Town mais qu'est-ce qui fait que mboko munene lokola Congo pour prendre les passeports vous devez payer les billets quitter Cape Town Johannesburg Pretoria pour que nous ça la passeport il doesn't make any sense. Yango tozo senga mama, soki yo ko komise la biso likambo oyo. Bo sale la biso consulat na biso awa na kati ya Cape Town. Yo moko mama olongwe Kinshasa to tso ngala tali yango na RTNC, olongwe Kinshasa mbala moko Cape Town. Donc o leki Pretoria te, o leki Johannesburg te, o yemba la moko Cape Town. Pourquoi? Parce que parlement la bango eza na Cape Town. Mais qu'est-ce qui fait que na parlement la bango na Cape Town biso mboko ya munene, loko la Congo toza même pas na consulat awa. Donc, il y a un signe à la merci. Merci. Bon, Bokoli Bissanga Moukena Tuna Maman Mokonzi. La procédure, je ne sais pas si vous répondez, mais la Moukou Biazon a mis Tuna après à répondre. Trois questions. Maman Mokonzi a mis trois questions après à répondre. Il y a mis ça de tout le monde qui est équilibré, tout le monde qui est en train de gêner. Je sais Maman Mokou. Parler au nom de... au nom de toutes les mamans qui se trouvent en Afrique d'ici, précisément à Cape Town. Préoccupation nanga ezali oyo. Maman, na kati ya Cape Town awa, nous avons beaucoup, beaucoup, alors beaucoup de mamans auto se retrouvent awa, mutu na mutu ayaki na ndenge na ye na situation na ye. Mais on se retrouve que ma maman wana nyoso, ndenge toza atoza ebele. La plupart de ces mamans, bazo sala elokote na musala. Bazo sala monoko eloko mokote parce que ba se retrouver que ce n'est pas ba capacité intellectuelle des angibiso. Mais les conditions esa réunité pour to sala misala oyo etali mikanda. Alors, je ne sais pas, non seulement mikanda ba contrainte esa ebele. Parmi nous, il y a des femmes intellectuelles, il y a des femmes oyo ba se retrouver ba veuves. Indépendamment de leur volonté, va se retrouver na bana bazako souffrir na mboka oyo. Il y a des filles mères bana na biso ba longwa Congo, ba miso ba ya kotanga ba ya ba raison kili kili. Mais va se retrouver awa ba comme ba filles mères abandonnées à leur triste sort.
ba mama baza ebele na ba condition très difficile et tozoye baté to sala na bango nini. Alors je ne sais pas son excellence na niveau na yo na ebi ke ozali mama na biso tant étant ministre des affaires étrangères donc oza molobeli na biso et pas ya chef de l'état. Alors ba condition o ba mama toza ko se retrouver nango a toye bité comment on appelle ça projet na yo par rapport à toutes ces mamans. Est-ce que oza na plan d'action moko prévu pour ces mamans na yebité nde wana eza mutuna nanga. Namoni boye pona opération d'abord ya makambu ya inga ndengo la kisi soza na ndeko oyo na Congo pour être con Afrique d'ici abanda ko exploiter courant na biso ya inga mais tant bo biso ndeto za na courant ya inga elingo ya awa mais tant boye awa est-ce que bo moni ba délestage za awa to bo moni Afrique d'ici soza na courant awa Afrique d'ici aza na courant. Mais bien bozo pesa Afrique d'ici sous courant, mais bien son moko na Congo courant exaté. Alors, préoccupation nanga ezaboye. Balobaka muto apesa kaka oyia za nango. Maman, lelo bino bolobi état de droit. Pouvoir résoudre na maboko ya peuple. Peuple oyo botiki na Congo kuna bazalaka na molili, bazalaka na badelestage. Siko awa biso to ya awa to sali ba 15 ans na mboko yo so to sali de l'estage ezaka ya 30 minutes ou bien 45 minutes ba notifier ka biso avant ba ebisi biso ke courant ko kende na quartier boye pendant 1 heure du temps bien 30 minutes siko yo bino boye coopération ya kote ka courant mais kuna courant ezate siko tozo ebate mboka tozo ke na niveau ni proposition na ngina pesa na mangamba courant le quoi déjà eza accord bo signaki depuis ezaki depuis ata ya Il y a gouvernement et l'équipe. Ceux qui binopé, parce que Tolanda n'est pas président de la République, tant qu'il a du pouvoir, et ça qui, ils sont la diaspora toujours. Ou ils sont le matin, ils sont au Zonga, mais au Zonga, Nengeni. Donc, c'est une amie de facilité, ils sont à trop, ils sont à la Libanda. Problème, il y a l'initiation, tant que nous sommes à Kuna. Bon, mais la bise, oui, mais les voyez, vous pèsez avant mon courant. Vous voyez, ça va, on va pèser, nous, mais pas KFC, n'a pas Pick and Pay, n'a pas McDonald's, bon, qu'il n'y a pas de tchat, on n'a pas de canon là. Dans la province où est Zakuna, en fait, il y a un peu de temps, tout ça a facilité, il y a pour vivre, il y a toujours vivre. Alors, j'ai dit et je vous remercie. Pour la première série, Mituna Yaliboso et Zali, ils ont concerné l'ambassadeur Nabiso à Wanamboka, en Afrique du Sud d'une manière générale. Bolobi azo kipe binote. Aza lokola étranger finalement. Pour vous, c'est comme un étranger, donc azo nga place à outi. Merci pour la question. Na yebaki que na kamekutu, parce que na yebaki que ça sera la première question. Ndenge to yeboye, c'est la deuxième fois de ma vie que je le vois. La première fois, je l'ai vu pendant 5 minutes, et cette fois-ci, je l'ai vu pendant tout le temps de travail que nous avons eu ici. Je vous rassure, il est congolais. Bozo se pelate na makambo ya zo sala, et je peux le comprendre. Mais c'est la, je vous dis que c'est la deuxième fois que je le vois. Bolobi, Nayoki, Bope Sanga Sikoyo Nzela, na kende, na solola, parce que j'ai entendu les applaudissements. J'imagine que si j'étais à Jobourg, ça serait les mêmes applaudissements, et ainsi de suite. Alors, ça va, j'ai entendu. Maintenant, je vous demande une seule chose, donnez-moi le temps de rentrer avec cette question saluée à l'unanimité, et après, on pourra donner une réponse à cette question. Là, maintenant, je ne peux pas sortir et lui dire, monsieur Benempoko, j'ai entendu ce qu'on dit contre vous, fermez vos valises,
nous rentrons à Kin, c'est un peu difficile. Donc, je vous demande de la patience, acceptez que je rentre avec ça, je vous signale, je suis aux affaires étrangères, on est en train de travailler au changement des diplomates. Donc, je ne dis pas qu'on va le mettre à la porte parce que c'est une question qu'on doit étudier. Mais dès qu'elle sera étudiée, on y donnera une réponse. Et c'est tout ce que je peux vous dire à ce stade. Et la première personne qui a posé des questions, il y avait une sous-question. Il n'y a pas de passeport à Cape Town. Et l'argent qui est sorti pour ces, que vous avez payé votre argent, et jusqu'à présent, il n'y a pas de passeport. Ça fait partie, comme maman me rappelle, je n'ai pas oublié, mais ça fait partie de la première question. Oh. Hein? C'est par rapport à tout ça qu'on pourra savoir quoi faire avec la personne qui est là. Ok. Non. Alors, deuxièmement, il y a... Nous avons un problème que personne. Notre pays, quand je vous dis vous êtes des adultes, vous êtes congolais, vous avez besoin de connaître, d'avoir l'information. Quand on a payé, quand on paye les fonctionnaires de la fonction publique, quand on a payé tout le monde, les médecins de la fonction publique, les diplomates à l'extérieur, quand on a payé tout le monde, il reste à peu près dans la caisse de l'État quelque chose comme 5% de la valeur de l'enveloppe globale. 5%. Notre pays, votre pays, quand nous sommes venus au pouvoir, nous avons trouvé les caisses vides. Les caisses sont vides. Donc, aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire ce que nous faisions tant bien que mal avant. Aujourd'hui, la situation est devenue très difficile. Par exemple, pour que je sorte du pays, comme quelqu'un a dit, nous avons pris un jet parce que il fallait venir très vite répondre à l'invitation de la ministre sud-africaine. Donc, et puis on ne peut pas savoir, par exemple, avant que nous ne prenions l'avion. C'est ça que nous sommes en train de faire maintenant parce qu'il n'y a pas assez d'argent pour payer tout le monde. Donc, il faut que vous le sachiez et que quand vous protestez, vous ayez assez d'intelligence pour faire quand même la part des choses. Alors, une autre préoccupation, celle-là, c'est celle des mamans. Réponse à la situation des femmes qui ne font rien. Je n'ai pas les éléments. Il faut que vous qui êtes ici, et encore, quand bien même vous ferez ce travail, je ne pourrai que vous donner des pistes de solutions que vous devriez mettre en pratique. Je ne vais pas vous... En tout cas, ce n'est pas l'État congolais qui va venir ici avec la situation que je viens de vous présenter ici, qui va vous trouver des... À moins que vous ne rentriez au Congo, et moi je vais vous dire, bilame. Je vais vous dire formation en couture et en toutes sortes de choses, etc. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas de mauvaise volonté, mais pour le moment, l'État congolais est coincé. L'État congolais n'a pas les moyens. Il y a un ami qui a parlé, le dernier intervenant a parlé du courant d'Inga. Mon frère à ma droite peut vous parler longuement et d'une manière, c'est la première fois que j'écoute parler des problèmes techniques de cette nature-là avec plaisir. Il peut le faire si vous avez envie de l'entendre vous parler
du courant Dinga. Je vous laisse vous entendre avec lui. Il est là, il peut peut-être dire un mot. Mais en attendant, avant qu'il ne puisse le dire, je voudrais vous dire une chose. Le courant Dinga, nous le réservons pour l'extérieur. Vous êtes des Congolais, vous connaissez, vous ne connaissez pas, mais vous savez qu'il y a de nombreux cours d'eau. Donc, nous pouvons faire pour chaque village, je dis bien, jusqu'au niveau du village, nous pouvons lui fournir du courant avec les nombreuses rivières, les nombreux cours d'eau que nous avons chez nous. Dans notre pays, nous n'avons pas d'une manière spécifique besoin du courant Dinga. Le courant Dinga, c'est comme quelque chose, une réserve que Dieu nous a donnée pour pouvoir être vendu en Afrique et peut-être aussi pour nous au niveau de l'industrialisation. Le projet Dinga fait partie des projets de la politique énergétique de la RDC. Cette politique qui est encadrée par une loi, ceux qui ne la connaissent pas, vous regardez sur le site, soit ministère de l'Énergie ou bien ADEPI, la loi sur l'électricité au Congo. Et parmi les projets pour donner de l'électricité aux populations. Il fallait s'aimer.